Fini les rames un peu kitsch des années 90, voici à quoi ressembleront les futurs wagons de la ligne D. Les sièges qui encombraient l'espace ont disparu au profit de banquettes latérales, beaucoup plus de place donc pour les usagers. Un aménagement devenu nécessaire sur une ligne arrivée à saturation avec plus de 250 000 voyageurs par jour. On pense qu'on aura une meilleure circulation à l'intérieur de la rame et que ça devrait nous permettre de gagner aux alentours entre 15 et 20% de trafic. Ce qui devrait permettre à nos usagers d'avoir un peu plus de confort dans le système de fonctionnement de cette ligne D. Certaines fois d'ailleurs à Vèze le matin, les gens font attendre que ce soit la rame d'après qui arrive pour pouvoir monter. Les places assises sont un peu moins nombreuses, mais diverses barres de maintien permettent d'assurer le confort et la sécurité des voyageurs. Alors l'avantage que l'on a en gagnant énormément d'espace avec ces fauteuils, c'est qu'on a pu implanter énormément de ce qu'on appelle des tripodes de préhension. On a pu mettre aussi des barres, en plafond. Et on a pu aussi rajouter au niveau des sièges un certain nombre de barres d'extrémité et de barres intersièges. Ça veut dire que les voyageurs maintenant ont une multitude de zones de préhension pour pouvoir se tenir. La première de ces nouvelles rames devrait circuler en septembre. Il faudra ensuite en construire 35 autres et attendre 2010 pour voir la ligne D entièrement relookée.